Bonjour, bonsoir! Bienvenue chez vous, installez-vous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, il fait une chaleur de gros bâtard, donc c'est avec conscience professionnelle que j'ai fermé toutes mes fenêtres. En parlant de gros bâtard, merci beaucoup pour la réception de la vidéo sur 365 jours qui est sortie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous ne l'avez pas vue, c'est une critique musclée de ce film-là qui sera... quelque part, et dans la description bien sûr. Mais pour cette semaine, j'avais envie d'une vidéo un petit peu on discute, on papote. Posez-vous avec un petit thé et posez-moi des questions auxquelles je répondrai. À chaque fois que je dis aux gens que je suis comédienne, j'ai plein de questions, souvent les mêmes qui reviennent, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'y répondre. Je vous ai demandé sur Instagram les questions que vous rêveriez ou que vous auriez envie de poser à des comédiens sur leur métier, sur leur vie, sur le milieu en général. Rejoignez-moi sur Instagram, c'est là que je pose plein de questions pour les vidéos, je fais même des petites critiques exclusives en story, donc rejoignez-moi là-bas, on y est très bien. Sans plus attendre, commençons par la première question. Mais non mais, comédienne, je veux dire... C'est ton métier ou tu fais quoi à côté pour vivre? Ou encore plus sympatoche, le... D'accord, mais c'est quoi ton vrai métier? C'est vrai qu'entre comédiens, on discute beaucoup de cette question-là parce qu'on nous la pose souvent et elle est un petit peu vexante. Bien sûr que les gens qui la posent ne se rendent pas compte qu'elle est vexante, donc comme ça, vous le saurez. Parce que oui, c'est un métier qui sort un peu du commun. Oui, c'est un métier qui est difficile, mais justement parce qu'il est difficile, quand on dit « je suis comédien », c'est pas je fais de la figuration l'été pour me payer mes vacances. Je fais un métier, j'ai appris des compétences pour le faire et je gagne ma vie avec. Certains comédiens, notamment dans les grandes villes comme Paris, font un autre métier à côté bah parce qu'il faut bien bouffer, il faut bien pouvoir payer le loyer d'une ville aussi chère. Mais c'est plutôt, hors cas particulier, une période de transition. Petit bisou s'il y en a qui me regardent aux fameux comédiens qui sont obligés de faire un autre métier pour pouvoir subvenir à leurs besoins. D'ailleurs, ce sera peut-être mon cas un jour, on sait jamais. En plus, avec la période un petit peu particulière de cette année, c'est pas exclu que malheureusement beaucoup de gens se retrouvent dans ces cas-là. Donc, force à vous, on va y arriver. C'est le cas aussi, et je le sais, avec beaucoup d'autres métiers, comme le métier de youtubeur, de vidéaste ou de photographe, etc. Où souvent on dit, mais est-ce que c'est un vrai métier? Est-ce que c'est ton vrai métier et tout? Les gars, à partir du moment où une personne gagne sa vie avec ça, qu'elle soit comédienne, qu'elle fasse du ramassage de bigorneaux ou de la danse bizarre, c'est un métier. Un métier qui nécessite des compétences dont on va parler dans la deuxième question. Comment tu fais pour apprendre autant de pages de texte et puis tu te trompes pas entre tes différents personnages? Justement, ça fait partie du métier. Comme dans n'importe quel métier au monde, il faut acquérir des compétences, progresser, on n'arrête jamais de progresser. Et dans ces compétences et ces forces qu'il faut pour être comédien et pour en vivre, il y a l'adaptabilité, la ténacité et évidemment beaucoup d'autres, mais parlons de la mémoire. La mémoire, ça s'apprend. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Moi, je sais que j'ai, depuis toute petite, eu beaucoup de facilité à retenir les choses. Après, une fois que j'en ai plus besoin, je les oublie à une vitesse phénoménale. Mais sinon, je vais rapidement pouvoir retenir un texte comme ça. La mémoire, c'est un peu comme un muscle, ça se travaille, et plus vous le travaillez, plus vous apprenez des textes, plus vous y arrivez. C'est d'ailleurs très bon, même si vous n'êtes pas comédien, de travailler sa mémoire, parce que ça recule un petit peu les effets de l'âge sur la mémoire et sur le cerveau qu'on peut avoir en vieillissant. Chacun a sa façon d'apprendre les choses par cœur. Il y en a qui vont réciter, réciter, réciter. Il y en a qui vont avoir besoin que quelqu'un d'autre leur donne la réplique. Moi, je sais que ce qui marche le mieux, une fois que j'ai quand même un petit peu rentré le texte, c'est de répéter. C'est-à-dire que quand on monte sur scène, par exemple, et qu'on va faire des répétitions pour le jeu, la mise en scène, tout ça, le texte, en fait, vous le répétez et ça rentre dans la tête et ça se fixe en plus avec le corps et avec les déplacements que vous avez à faire. Pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Pour une pièce de théâtre, on a en général peut-être une cinquantaine de pages. Et quand il y a plusieurs spectacles différents, ça s'accumule. Pour le cinéma, c'est encore autre chose puisqu'il y a des cuts et qu'on peut relire son texte si on a un trou, donc c'est un petit peu plus sécurisant, mais quand même, il faut avoir lu le texte, digéré le texte, s'être demandé comment ce personnage parlerait, tout ça, et du coup, c'est du travail. Pour la question subsidiaire, qui concerne le mélange des personnages. Ça arrive extrêmement rarement qu'on mélange les personnages. Faudrait vraiment que deux personnages de deux spectacles différents ou de deux tournages différents soient très similaires. Et encore là, le plus souvent, on fait ce qu'on appelle des italiennes avant de jouer. Une italienne, c'est-à-dire que juste tu débites le texte avec tes partenaires sans faire tous les déplacements, sans faire les intonations, etc. Donc il y a peu de chances quand même qu'on se trompe dans les personnages. Il y a des exceptions à ça. Ça arrive quand vous êtes dans une période où vous jouez beaucoup de spectacles différents dans une période extrêmement restreinte, que dans la tête ce soit...
Ça arrive en général parce qu'on est fatigué, parce que quand on est concentré, on est à fond dans son rôle, et là, il n'y a aucun souci. Troisième question, Jamie. T'es connu? T'as joué dans quoi? Et comment il est dans la vraie vie, Gérard Jugnot? Évidemment, c'est surtout de la curiosité des gens qui en fait connaissent pas du tout le milieu, et qui ne s'aperçoivent pas que ces questions-là sont très réductrices. Et quasiment systématiques. On peut être comédien de centaines de manières différentes. Il y a celui qui va faire des doublages, du théâtre classique, du théâtre contemporain, des spectacles pour les enfants, de la comédie de boulevard, des courts-métrages sur YouTube, du cinéma, du one-man show, de la comédie musicale, des films de boules. Donc non, on n'est pas forcément connu quand on est comédien et c'est pas pour autant qu'on a raté notre life. J'ai déjà eu des messages d'anciens potes de lycée qui m'ont dit « Ah bah dis donc, et c'est quand qu'on te voit à la télé ?» d'un air un petit peu désolé pour moi, alors que ça va, hein, je suis très heureuse dans mon métier. Oui, il y a beaucoup de séries très connues comme « Plus belle la vie », Camping Paradis, etc. dans lesquels beaucoup de comédiens, dont je fais partie, vont tourner parce que bah, c'est des trucs locaux, c'est des trucs qui engagent énormément de personnes et qui font beaucoup de casting. Mais c'est pas forcément l'ambition de tous les comédiens d'avoir un rôle dans Plus belle la vie, dans des films français ou quoi ou qu'est-ce. Il y a plein de façons d'aimer et d'être épanoui dans son métier. Évidemment que je continue les castings et que je serai extrêmement heureuse d'avoir un beau rôle dans des films ou d'autres séries. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je vais partir au Canada pour essayer de vivre de mon métier là-bas, puisque à Vancouver il y a un énorme pôle cinéma. En dehors de ça, et si ça n'arrive jamais, je suis extrêmement heureuse dans mon métier. Je crée mes propres spectacles, je crée les décors, la musique, le texte, et je les mets en scène et je les joue. J'adore monter sur scène, il n'y a pas grand chose qui remplace ce sentiment-là. Je suis très heureuse dans mon métier, même si je ne suis pas extrêmement connue. Après, bien sûr, Steven, Wes, si vous passez par là, je suis preneuse. Et comment il est, machin truc, dans la vraie vie, insérer le nom de n'importe quelle personnalité possible et inimaginable, on n'a pas toujours envie de dropper des noms du genre « Ouais, moi j'ai joué avec Gérard Jugnot ». En général, les comédiens vraiment n'ont pas se la péter de ça. Et pour le reste, oui, j'en ai rencontré. Il y en a qui sont très sympas, il y en a qui l'ont sur moi, il y en a qui sont alcooliques, il y en a qui sont hyper rigolos. Question suivante. Comment tu fais si ça se passe mal avec un autre acteur? Comment tu gères sans tout exploser? J'ai envie de te dire, hors scène et hors tournage, eh bien c'est comme dans tous les autres métiers. Tu prends sur toi, Janine. Ou alors évidemment, si ça dépasse les limites, tu lui claques le beignet. C'est pas vrai, ne faites pas ça, la violence ne résout rien. Pas autant que ça, mais évidemment, si ça dépasse tes limites, ne te fais pas bouffer et réagis et règle les choses une bonne fois pour toutes. Fais-le avec beaucoup de diplomatie parce que toute l'équipe, les autres comédiens ou l'équipe de tournage qu'il y a autour sont impactés. En ce qui concerne le spectacle ou le tournage en lui-même, là, ce qui est le plus important, c'est le projet. C'est de faire ton taf et de donner le meilleur de toi-même. Donc si tu dois être amoureux de cette personne dans le film ou dans la pièce, tu aimes cette personne et puis tu lui mettras une quiche après. Le saviez-tu? Leonardo DiCaprio et Claire Danes dans Roméo plus Juliette, qui est un de mes films préférés, se détestaient cordialement. Mais ça ne se voit pas dans le film parce qu'ils sont muito bon. Ce chignon ne fait que choir. Question suivante. Comment tu fais si t'es malade, genre vraiment malade ou vraiment super triste? Tu prends sur toi là aussi. Et oui, pas de possibilité là d'appeler et de dire je suis malade et de te faire remplacer. Non, là, il faut faire le taf. À part évidemment en cas d'extrême problème ou d'extrême urgence, tu peux toujours appeler pour savoir si tu peux te faire remplacer, si c'est possible d'annuler, de reporter, etc. Souvent il y a moyen de s'arranger, mais sinon show must go on. Faut faire le taf. Sur scène, il y a un petit truc magique que connaissent bien tous les comédiens. Ça m'est pas arrivé en tournage, donc j'ai l'impression que c'est vraiment spécifique à la scène, mais tous les comédiens vous le diront, à partir du moment où on monte sur scène, tout disparaît. Si vous êtes malade, ça dégage. Incroyable ! On dirait de la magie ! Vous pouvez avoir la gastro, la migraine, etc. Il m'est déjà arrivé de jouer 10 spectacles en 4 jours, ce qui est très intense, avec une bronchite à 39 de fièvre, avec ma voix qui avait disparu. Et sur scène, ça faisait le taf. Évidemment, ma voix n'était pas au top comme elle l'était d'habitude, mais elle était revenue. Par contre, à l'instant où tu sors de scène, tout te revient, en plein dans ta face. Aqua Boulevard dans le naseau, les huîtres dans la gorge, tout ce qu'il faut. Mais sur scène, on est tranquille. Évidemment, si tu t'es pété une jambe, ça ne marche pas. Le qui m'a saoulé, ce sera cheveux lâchés. Ça nous est tous déjà arrivé d'aller tourner ou de monter sur scène en étant triste, en étant en colère, en venant de se séparer de son chéri. Mais une fois qu'on y est, on peut se dire que bah, le temps d'une heure, on oublie tous les soucis. C'est un peu comme pour la maladie, c'est un peu magique. Question suivante. Nous avons évidemment, puisque c'est un métier qui fait beaucoup fantasmer, des questions un petit peu coquinettes. Comment diantre se passent les scènes de fesses? Tout dépend du projet.
Déjà, il n'y a pas tous les comédiens qui acceptent de faire ce genre de scène. Pour la nudité, la plupart du temps, à part si c'est vraiment du nu frontal qu'on voit en entier, les personnes sont pas vraiment nues. Sauf si vraiment le comédien s'en bat la nouille. Psychologiquement, pas... ne faites pas ça. Il existe plein de techniques un petit peu farfelues, comme des espèces pour les mecs de cuillères pour cacher la zigounette, pour éviter qu'on se retrouve nu devant une équipe d'une vingtaine de personnes. Pour les scènes olé olé à proprement parler, déjà ça dépend du projet, mais souvent c'est beaucoup moins sexy que ce que ça rend à l'écran. C'est-à-dire que ça va être très chorégraphié. Ouh, ah, ouh, hein? Coupé? On la refait? Pas ou ah ou ah? Ah, u, ah, u? Ok. U, A, U, A. Quoi? La mèche. On voit pas mes yeux? Comme ça? A, U, A, U. Les mouvements sont très chorégraphiés, on n'est pas vraiment nu. On peut couper assez souvent, à part bien sûr pour certains projets ou des films d'auteur où ils vont laisser tourner pour avoir vraiment du naturel, auquel cas là ça peut devenir un petit peu sexy. Question suivante, et oui, le kiki est de retour parce qu'il fait fort chaud. Est-ce que c'est difficile de jouer un rôle lourd émotionnellement? Oui, mais c'est passionnant. Plonger dans un personnage qui va avoir une histoire lourde ou qui demande beaucoup émotionnellement, ça demande une grande préparation. On a encore une fois pas tous les mêmes techniques, et j'aborderai peut-être ces techniques dans une prochaine vidéo sur les questions sur les comédiens si jamais ça vous intéresse. Mais pour ce qui est du ressenti émotionnel, ce qui veut dire la même chose, ça peut être très éprouvant. Je dirais que ça l'est sûrement plus au théâtre qu'au cinéma, parce qu'au cinéma, comme je l'ai dit, à part pour des projets très artistiques, souvent on coupe. Alors qu'au théâtre, une fois que t'es rentré sur scène, t'es rentré sur scène. Ce genre de rôle bouffe une énergie folle. Je me rappelle quand j'étais au conservatoire de théâtre, on avait joué une pièce où mon personnage avait une scène très 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 intense à un moment donné, où j'étais toute seule sur scène et où je jouais une fille qui venait d'apprendre la mort de son amoureux. Quand je suis sortie de scène, il m'a fallu 20 minutes pour arrêter d'être en transe. J'étais tremblante, j'étais toujours dans l'émotion, et bon, ça, avec l'expérience en général, ça s'atténue un petit peu, mais pour certains rôles ça peut être vraiment impactant, surtout quand on s'y plonge à long terme, qu'on fait une longue préparation. C'est quelque chose qui est passionnant, mais qui n'est pas anodin. Il y a certains réalisateurs et metteurs en scène, et on en connaît, qui vont pousser les acteurs dans leur retranchement pour obtenir l'émotion juste, ce qui donnera un super rendu, mais qui en tant qu'acteur peut être extrêmement compliqué, même si c'est une sacrée expérience. Merci beaucoup pour toutes vos questions, j'ai vraiment kiffé y répondre. Je pense faire d'autres vidéos où je vous demanderai comme ça vos petits avis sur Instagram. Dites-moi si ça vous a intéressé. S'il y a des copains comédiens, n'hésitez pas à donner votre avis. Ces réponses n'engagent que moi. En attendant, portez-vous bien, buvez de l'eau, hydratez-vous. Mettez des masques histoire qu'on s'en reprenne pas une dans la gueule. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de rêver et je vous souhaite une bonne fucking journée.